Dans le genre de peinture nerveuse, tout en énergie, l'exemple de Minnie Pearl fait éclater cette évidence. Si cet art plonge ses racines dans la tradition vivante la plus ancienne, cette tradition a su sans cesse se renouveler. Minnie a mûri son style pendant des années avant de se saisir de la brosse, observant les membres de sa famille qui peignaient depuis longtemps. À ce moment-là, elle a derrière elle plus de 60 années d'expérience pendant lesquelles elle a recouvert son corps et ceux des autres avec les mêmes motifs. La surprise est totale. Cette maturation va permettre l'éclosion d'un style qui n'avait encore jamais été vu. Minnie est la gardienne des terres d'Awengerp et préside au rituel de fertilité de la terre. Elle choisit comme inspiration pour ses toiles les motifs utilisés pour ces rituels et plus particulièrement ceux que les initiés se peignent sur le corps. Il en va ainsi des rites associés au rêve du site d'Awengerp, le rêve de melon, le rêve de graines de melon et le rêve de rang sauvage. Ainsi, à près de 80 ans, elle déroute les autres. Les poitrines de femmes, chargées de leur peinture corporelle, ou plus exactement la forme synthétisée de ces poitrines peintes, sont multipliées, rendant invisible ce motif et adoptant de fait un aspect très contemporain. Ce qui attire l'œil des collectionneurs et des institutions, c'est la prodigieuse énergie qu'on ressent devant ses œuvres et son style très audacieux. Malgré son âge, et jusqu'à sa disparition en 2006, son trait est sûr, très gestuel et son sens des couleurs évident. Il en résulte des œuvres vibrantes, très personnelles, d'une grande spontanéité. Ses peintures peuvent être très sobres, quand Minnie utilise une seule teinte, souvent du blanc sur un fond noir, ou très complexes, avec de grands formats où prend vie son rêve de melon, enchevêtrement de lignes colorées. Depuis sa disparition, les autres membres de sa famille ont pris la relève. Sa fille, Barbara Ware, par exemple, ou sa petite-fille, Charmaine Pearl, mais aussi ses sœurs, aujourd'hui très âgées, dont Molly Pearl, Galia Pearl,